Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Far Cry 5. Et nous en sommes à l'épisode 19. J'espère que vous suivez toujours jusqu'ici. Je pense avoir trouvé d'ailleurs un petit, comment on peut appeler ça, une petite vitesse de croisière. Ça me paraît pas mal, voilà, le terme est approprié. Une petite vitesse de croisière pour la sortie des vidéos. Un jour sur deux vous aurez du Far Cry et l'autre jour vous aurez bien évidemment du God of War. Comme ça, pas de jaloux. Bon, vous aurez des petits moments de trou avec un jour d'attente, hein, si je puis me permettre, pour un Far Cry ou un God of War. Mais au moins, tout le monde est content un jour sur deux au minimum. Et si vous suivez les deux aventures, vous êtes content tous les jours. Et comme ça, c'est impeccable. Il n'y aura pas de jaloux. On est parti, direction la délivrance. Rejoignez le calvaire, juste là où vous voyez de la fumée. Ah, il y a un avant-poste. Et ben, vous savez quoi? On va le faire cet avant-poste. On va le faire, ça me tente bien. On va totalement le faire parce que déjà, c'est intéressant. Déjà de base. Et ensuite, la délivrance est à 700 mètres. On pourra sûrement le faire à pied. On est parti. Je vais m'équiper aussi, bien évidemment, de mes compagnons. C'est quand même quelque chose de nouveau dans ce Far Cry 5. Alors évidemment, dans Plumal ou dans le 4, on pouvait être accompagné de temps en temps. Mais là, on peut en avoir deux. Alors, qui je vais prendre pour cette mission? Je vais prendre, tiens, toi, le sniper, je te veux dans mon équipe. Et on a un ninja là. On a un ninja. Et toi, attaque surprise et cache-cache. Je te veux dans mon équipe. Allez, on est parti. On va faire cet avant-poste. On va voir un petit peu ce qui se passe et comment ça va se passer. Et j'espère vraiment le faire en infiltration. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, je vais ramener toute l'équipe ici. Je vais emmener tout le monde ici. Ok. Lui, il est à l'intérieur. Très bien. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, j'ai peut-être une question. J'ai peut-être une question. Ça n'a pas alerté pour le moment les autres. Ok. Aïe! Ah, ça a été alerté, merde! Je suis pas venu attendre, d'où Jésus? Bon, il a totalement alerté les autres. Ça va être terrible. Bon, on va les attendre et on va espérer que tout se passe bien. Alors, vous êtes nombreux à m'avoir dit de me débarrasser de ce fusil à pompe. Chose que je vais faire, pas immédiatement parce que lui, il avait un pompe aussi. Mais que je vais faire incessamment sous peu, si je peux me permettre l'expression de nos salutations distinguées. Ok, ça c'est fait. On va attendre les autres. On va attendre les autres calmement. Est-ce que... Oh, c'est pas mal ça. Oh, c'est pas mal du tout ça. Vas-y, amène-les. Amène-les les frérots là. Oh, je peux sauter ici, impeccable. Quel est ce bruit? Quel est ce bruit? Allez, ça, ça dégage, hein. Ça, ça dégage totalement. Ok, on va faire lui aussi. Ah, d'accord, lui il y a échappé. C'est pas grave, on va y aller au fusil à pompe. Ah, c'est des contre... Ah oui, d'accord, c'est pas des petits renforts ça les mecs. Bon, ça partit en couille très très vite. Allez, ça, ça dégage. La pire idée que j'ai fait, ça va. Oh! Oh! C'est beau! Allez, ça dégage! On est bon ou pas? Ouais, je joue un petit peu grenade, hein. C'est mon petit plaisir à l'heure actuelle, je sais pas pourquoi. J'ai un petit kill. Ouais, ça sert vraiment à rien le pompe, il est terrible. Il est vraiment pas ouf. Et lui, qui a pris la peine de monter, va devoir redescendre très vite. Allez, ça c'est fait! Hôtel Kings Hot Springs libéré. C'est dommage, l'alerte a été donnée dès le premier crime de ma part, évidemment. Mais bon, au moins on a fait un petit avant-poste. Bien joué, cowboy. Il n'y avait pas de place pour nous deux dans cette ville, Johnson. Ok, j'ai déverrouillé une incroyable voiture dégueulasse de 1987, mais c'est la famille, c'est la collection. On va pouvoir utiliser ce vieux bâtiment pour se protéger, même si ça risque de faire peur à certains.
À ce qu'il paraît, ils seront hantés. Mais j'ai jamais trop gobé ces histoires de bonnes femmes. Enfin bon, continue comme ça. On m'a dit que la secte traînait pas mal autour de l'ancienne mine de soufre. Cet endroit est immense. Ils doivent sans doute planquer quelque chose là-dedans. Ça vaut le coup d'aller voir. On va venir me chercher dans pas longtemps, c'est une histoire de secondes. Là, je suis pas bien. Je vois flou, j'entends flou. C'est très bizarre. On se casse. Et je suis toujours sous drogue. Ok, je vais pas tarder. Oh. Je vais pas tarder à me faire kidnapper. C'est une évidence. Mais alors, qu'est-ce qu'elle attend par contre? J'entends tout, il y a tout qui résonne, c'est terrible. Rassurez-moi, c'est pas un bug, s'il vous plaît. Soyez gentil, Ubisoft. Vous n'avez pas pu bugger en ma présence. Quand même pas, pas après tout ce qu'on a fait. Ok, direction la délivrance. Je ne sais pas ce qui se passe, les gars. Mon hélico peine à descendre. Ça résonne dans ma tête. Quoi? J'ai trouvé la cible! Non, 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 non. Mais... Quoi? Ça y est, elle arrive! Il était temps! Bienvenue dans la grâce. Ok, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois qu'on va dans cette grâce. Parce que la prochaine fois, c'est le dernier point de cette région. On devra la tuer. Tu ne comprends pas ce qu'on essaie de bâtir? Ou bien ça t'est égal? Je te vois courir dans tous les sens et t'en prendre à des gens qui ne t'ont rien fait du tout. Ils sont en paix ici. Ils veulent y rester. Je sais bien que tu as des doutes. Mais cette histoire n'a qu'une fin possible. Et tu ne pourras rien y changer. Tes amis au dehors. La peur les contrôle. Ils ne comprennent pas. Mais lui, oui. Il te montrera. Salut, gamin. Allez. Allez, ça va aller. Je sais que tu es venu me ramener. C'est bon. Elle sait. Tout le monde sait. Je sais que tu penses bien faire. Tu penses que j'ai besoin d'être sauvé. C'est fou. Je n'ai pas envie de rentrer. Jamais. Est-ce que tu as déjà pris le temps de réfléchir au sens de ta vie? Je veux dire, au sens que tu lui as donné. Tu sais, on nous dit qu'on peut devenir tout ce qu'on veut, pas vrai? Chanteur populaire, sportif émérite, star de ciné. Le succès est à portée de main, quoi. Mais non. C'est des conneries. On a des vies sans aucun intérêt. On fait seulement ce qu'on nous demande de faire. Encore et encore. Tout le monde pense pouvoir faire des choix. Mais c'est faux. C'est quand la dernière fois que t'as fait quelque chose par choix, hein? Juste pour toi. Non, non. On vit pas nos vies. Mais la leur. Et on croit tous être libres. Mais ça, c'est qu'un mensonge. Une illusion. Putain de merde. J'en ai vraiment ras-le-bol de tout ça. Je te le dis, moi j'ai plus du tout envie d'obéir. Je refuse d'accepter sans broncher
et je veux plus être celui qui ramasse les ordures. J'en peux plus. Parce que... si c'est ça la vie, alors à quoi bon ? Ici, j'ai enfin eu l'occasion de ressentir ce que je ne pensais jamais pouvoir connaître. Le bonheur. Parce qu'en fin de compte, c'est quand même bien ça le plus important dans la vie. Le bonheur. Méfie-toi de la grâce. Tu dois retrouver le marchage. J'ai trouvé cette cinématique très 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 intéressante, vraiment. Par contre, maintenant, je me dis... il faut pas que le Marshall franchisse ses portes. Est-ce que, si je n'obéis pas, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Vite, tu dois le sauver. Ah, d'accord, d'accord, ok, ok. Donc je pense qu'il faut courir après. Mais si tout n'est qu'illusion, tout n'est que mensonge... Laisse-le tranquille. Oh, c'est terrible, hein. On est donc connecté, c'est ça, on est connecté dans l'illusion. Bah on va essayer de le récupérer, mais est-ce que c'est pas mieux de le laisser finalement? Parce que sachant que c'est une menteuse, bah elle ment tout le temps. Et là peut-être que c'est son objectif que j'aille le chercher. Oh là là, c'est terrible, je ne sais pas les amis. Quoi qu'il arrive, on y va. Échec de la mission. On n'avait pas réussi à arrêter le Marshall. J'ai peut-être fait une grave erreur. J'ai peut-être fait une grave erreur. Méfie-toi de la grâce. Ah bah non. Ok, ok, on la recommence. Bon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Voilà. Eh, je pensais qu'il y avait un choix, qu'il fallait faire soit l'un soit l'autre, mais pas le choix. On est sur le coup obligé d'écouter. Maintenant, il faut pas Face. Que Marshall franchisse ses portes. C'est bon, je m'en occupe. Marshall, ouais, il est totalement manipulé par un autre, hein, comme disait Maître Gims. Hein. Ça va pas du tout. Hein. Le Montana lui monte à la tête littéralement. Vite, tu dois le sauver. Ok, j'arrive, Marshall. Exécution. Quoi? Laisse-le tranquille. Attends, laisse-le, je dérive. Tranquille. Ok, j'ai fait exécution, les gars, on verra. On verra, je n'ai pas le choix. À moins de verrouiller à double tour, peut-être, le portail. Tout va bien. Merde, Tracy, ramène-toi avec les sols. Du calme, peur, regardez-moi. Respirez. Non, pas de Dieu. Arrêtez. Ah mais j'ai vraiment réussi à le sauver. Ok, c'est juste pour vous soigner. Non, pas de Dog. Laissez-vous-en. Vous ne sortirez pas de la grâce comme ça. Si. Mais si, je peux, chérie. Très bien. Vous en prie. Allez. Je suis clean. Tout va laissez-moi bien. Laissez-moi tranquille. Très bien, allez-y, allongez-vous. On reste calme. Vous auriez pas dû l'amener là. Tracy vous emmerde. J'ai dit que c'était pas une bonne idée. Je l'ai dit et redit depuis le début. Vous la connaissez pas. Elle peut rentrer dans votre tête. Méfiez-vous de lui. Je vais lui parler. Allez, ça, c'est fait. Grâce éternelle. Mission complete. C'était la dernière fois que Face venait nous chercher. Je pense que la prochaine fois qu'on la verra, on devra en terminer. Hein. On devra en finir, bien évidemment. Donc, je ne savais pas qu'on ramenait vraiment l'US Marshall. Et ça fait plaisir. J'en
bien pas que t'aies pu sortir le Marshall de la grâce. Face va pas se laisser faire. On vient tous à la réalité. Et elle va se rappeler à ton bon souvenir. Sois sur tes gardes. Ok, je vais récupérer une M4 à la place, bien évidemment, de mon fusil à pompe. Vous étiez très nombreux à me dire, B-Boy, prends la M4, abuse pas, parce que le fusil à pompe, il est vraiment nul. Je vous écoute, il y a pas de souci. On est là pour varier nos plaisirs, surtout. On la prend. On la prend, on va s'en équiper tout de suite à la place, évidemment, du fusil à pompe. Oh, en or, ouais, mais ça, c'est mon côté bling-bling. Ça coûte tellement cher. Ou une AK noire, c'est pas mal non plus. Vintage de base, non ça me plaît. Ça me plaît pas, par contre un viseur c'est très important. Qu'est-ce qu'on peut prendre en viseur? Alors mettre un viseur sur une AK, dans les jeux vidéo en général, je suis pas trop pour. Hop, pas de viseur. Non, une AK doit rester au naturel, je trouve. Une bonne AK-47 les gars, dans un jeu vidéo ça doit rester au naturel. Tous ceux qui ont joué à Call of Duty Modern Warfare, Call of Duty 4 Modern Warfare, me comprendront et comprendront mes douces paroles. On est parti, direction, ici vous pouvez acheter des hélicoptères, on va en prendre un de spa. Direction donc la mission où on devait aller, c'est-à-dire délivrance, parce qu'il est temps les amis, il est temps d'avancer, il est temps de se débarrasser de Face et d'aller dans la toute dernière région et pouvoir enfin rencontrer Joseph Seed. Et je pense que ça peut être assez dingue. Alors en compagnon je vais prendre... J'ai plus personne, hein, vous l'aurez compris. On verra en fonction de la mission. Donc je vous disais quoi? Ben je vous dis direction... Direction ici, voilà, c'était délivrance. On est bon! Direction délivrance, 1700 mètres. Et je pense que vous serez d'accord avec moi. Voir tout le trajet, ça va peut-être pas spécialement vous intéresser. Il va rien se passer sur 1500 mètres. On se retrouve directement sur l'objectif. Il est fou celui-là ou quoi? Oh! Allez, on est parti, on descend directement en wingsuit et on y sera beaucoup plus rapidement. Bon, je me suis pas agressé, vous l'aurez compris, c'était assez compliqué cette petite histoire des familles, mais ce n'est pas grave. Normalement, on va atterrir... Oh là, peut-être... Attention, attention, attention. Peut-être un peu trop proche si vous voulez mon avis. Bon, je crois pas qu'il s'agissait de rumeurs. Un groupe d'éclaireurs vient de me contacter. Une prêtresse a l'air de venir dans ta direction. C'est pas une coïncidence. T'auras que quelques minutes pour sécuriser la zone. Fais gaffe là-bas. Ils ont sûrement des otages. Ah ouais. Ils ont des signaux d'alarme. Enfin, des personnes qui peuvent activer l'alarme. Des snipers. Et je vais prendre le sniper encore une fois. On va essayer avec ce petit combo des familles. Je trouve un meilleur angle. Oh. Ok. Ok, si je fais H normalement, regardez bien. Okay. Regardez. Hein. Ah, par contre, elle tire pas avec un silencieux. Ce qui me paraît bien chiant, cette petite histoire. Change de place. Ok. Ça marche. Ah, j'ai envoyé le lion à gauche, à droite le frérot. C'est beau, n'est-ce pas? C'est la puissance transformatrice de la foi. Les pauvres âmes en proie au doute viennent ici pour trouver la lumière. C'est magnifique, pas vrai? Ok. Il sait pas que je suis là, hein. Allez hop, ça dégage. Ok. C'est pas mal. Ok, c'est bon, on y est. Aucun souci. Prends cette calage. Oh, cette calage, cette tabasse. Ok, l'otage est juste au-dessus. Aucun souci pour le moment. Attends, il reste quelqu'un. Il reste quelqu'un pas très très loin. Ok. Allez, ça dégage. Casse-toi, mon frérot. Hop, ça en prend. Oh, 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 ça me plaît, ça. Encore un otage ici. J'espère que t'es prêt, gamin. Si on s'est pas planté, la prêtresse devrait pas tarder à arriver. Attends, quand tu dis la prêtresse, tu parles de Face. Oh, putain. Oh, putain, il me faut ça. Il me faut ça. Il me faut ça, ça bug. On joue à un jeu dangereux. Si
Si l'un d'entre nous est aspiré par la grâce, on va vouloir le sauver. Ça bug. Non, je peux pas le prendre. Attends, attends, attends. Hop, venez là, vous deux là. Oh, je peux pas. Oh, tout Jésus. Ça dégage. Pas le temps pour ces conneries, hein. Je l'ai déjà dit, ça. Ok. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Sauver les otages restants. Il reste quelqu'un? Info sûr? Attends, on y va. Peut-être tout en haut. Et ça, on peut le prendre? Ok, ça, je peux le prendre. Ok, donc elle était bien buggée. On va monter encore là-dessus au cas où. Mais je vois plus d'otages. Quelle est cette sombrerie? Attendez. Voilà, hop, je ne peux pas passer, hein, bien évidemment. Voilà, c'est pour moi, hein, tout ce qui est bug, les gars. Hein, vous me connaissez, Ubisoft, on s'apprécie. Ah, il y a quelqu'un là-dedans. Ouais, mais je fais comment? Ok. On est bon? Sauver les otages restants. Il en reste encore les otages, vous êtes, comment dire, un petit peu chiant. Les autres, ils aident pas, hein. Tu sais, ils sont là. Non, mais on m'a libéré, les gars. Moi, je vois pas où est le... Ah, peut-être tout en bas. Je vois pas où est le problème. Ok. Ah, tu es là, c'est la dernière. C'est la dernière, ça dégage. Allez, sauver les otages, c'est fait. On repasse direct en haut. Ici le shérif. J'ai appris que t'avais éliminé la prêtresse de Faith. Et t'as même réussi à sauver des gens de notre groupe. Grâce à toi, les cougars sont à fond et bien remontés. C'est du super travail. Ils viennent me chercher. Allez. Non, j'y ai cru. Allez, délivrance. Mission complete. Ça, c'est pas mal. D'après ce qu'on m'a dit, tu libères des gens de la secte. Ouais. Il m'en faudrait 10, t'es comme toi. Comme ça, cette guerre serait terminée depuis longtemps. On a d'autres otages dans le coin. Face et ses hommes les torturent ou en font des anges. Ou des omelettes, comme dirait Tracy. Retrouve-les, ok? Libère-les pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Allez, servir et protéger, mission principale, sauver les otages. 10 sur 14. Servir et protéger, mais est-ce pas sous la mission là finalement? Quand on y pense. J'ai un petit doute si je puis me permettre. Ça, c'est pas un otage. Comment ça? Mapmonde? Non, j'ai une mission que je pense personne ne peut maîtriser à l'heure actuelle. J'ai une mission qui ne s'affiche même pas sur la carte, les gars. Donc, ça sera, je pense, avec le temps. Allez, on a convoi armé. Ça va être horrible à faire. Ça va être horrible à faire. On va la faire. On va prendre un hélico. Je vais prendre Nick et la demoiselle en hélico. Ça va faire deux hélicoptères, un avion. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît être une équipe de choc pour le convoi armé. Allez, on y est. C'est à 300 mètres. C'est dans le fleuve, juste en bas. On y va calmement. On est parti, les gars, préparez-vous. Je suis accompagné de toute la famille normalement. Il n'y a pas de soucis. Ça dégage. Ça dégage. Et ça. Ça va pas tarder à dégager, mais. Six soucis quand même. De viser. Alors finalement, c'est beaucoup plus simple. Je pensais à un vrai convoi, tu vois. Je pensais à un vrai combat, un truc très très chaud. C'est quoi cette mission? Elle était offerte, elle était... Ça c'était cadeau de la sécu, les gars, hein. 200 RP pour ça, je prends volontiers, les gars. Oh là, Nick il rigole, zéro, il s'en bat les couilles. On a un gros problème, on approche. Allez, ça dégage. Mission complete. Et ben vous savez quoi, on va terminer avec l'avant-poste juste là-haut. Attendez, ça faut le détruire. Ah, j'ai plus d'armes. Allez hop, ça dégage. Ça dégage, on va faire l'avant-poste. Ok. On va aller le plus haut possible. On saute. On ouvre le parachute. Et on se casse là-haut calmement. Ni vu ni connu. Pour faire ce petit avant-poste. Des familles. La température au sol est de 30 balles dans la peau. Oh, excellent ça. Allez, par contre, tu dégages, frérot. Tu dégages, je vais reprendre le chien, qui me paraît pas mal. Et le sniper, qui me paraît pas mal aussi.
Et ça y est, j'ai enfin la maîtrise totale de comment les utiliser. Donc le chien c'est G et H c'est le sniper. Donc le chien il va aller où, frérot? Il va aller là. Le sniper, elle, elle va aller là. Et on va sortir tout de suite. Tout ceci. J'ai mal placé, je bouge. Ils ont déjà alerté là. Attends, il s'est passé quoi là? Ok. Les renforts arrivent. Ah! Ah mais ouais, mais alors attendez, bah voilà, c'est pour ça aussi que je prenais pas spécialement Oh c'est chiant putain. Bon allez on y va. Yo les gars, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Hop, et ça c'est une patate, c'est cadeau. Elle est balèze elle hein, c'est normal. C'était un membre élite. Oh, je sais pas viser avec une AK hein. Ça fait bien longtemps que j'ai pas joué un FPS avec Okay. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on va tous se les faire, on va tous se les farcir calmement. Ça, c'est pour le plaisir. Ça, ça va être pas mal. Ça va péter, hein. Allez, ça dégage. J'ai ma petite idée. Regardez bien. Ok. Voilà. Ça, on libère. Normalement, tout va bien se passer. Dans le meilleur des mondes. N'oubliez pas que la loi c'est moi les potes hein. Allez, je vois que ça veut pas comprendre. J'ai dit que la loi c'était moi putain. Covent Deadens Gate Mission Complete. On a très très bien avancé. On a fait deux missions dont une principale. Deux avant-postes. On s'est régalé dans cet épisode. L'épisode 19 c'est l'épisode de la régalade. On va même se permettre un petit truc. C'est stepper pas très loin et finir une mission qu'on avait commencé avec les champs qu'il y avait à brûler. 400 RP. On est proche de la fin de face, hein. On est proche de la fin de face. Allez, nous y voici à notre objectif. On est parti. Bon, on va y aller calmement en wingsuit parce que c'est quand même plutôt classe, hein, on va pas se mentir. On y va. Regarder cet hélico sur le coin droit de l'écran. Attends, on va le voir s'exploser parce que c'est quand même assez stylé. J'aime bien. Allez, faut péter, hein, monsieur. Voilà. Il n'a pas du tout explosé. Il sent... C'est n'importe quoi. Vous avez l'air d'avoir des ennuis. Faites attention. Et, ben... et n'oubliez pas, vous devez brûler les champs de grâce. Ça fera sortir Finette sa tanière. Alors, si les choses reviendront là, il y a donc apparemment les arrosoirs à désactiver. Donc on va y arriver, on va y arriver. On va le trouver. Où sont-ils? Ils sont là et ils vont sous terre. Comment on les désactive? Comment on les désactive? C'est ça le truc en fait. Faut réussir à les désactiver calmement. Ah, 1 sur 3 qui a été fait, je dois en brûler encore. Mais je vois pas moi les... On m'a dit de désactiver les... Les arrosoirs, mais... Ça? Non. Rien à voir. Ah, d'accord. Une vanne. Ok, maintenant on fait quoi les gars? On a pas l'air de con parce que j'ai pas de lance-flamme finalement. Peut-être un cocktail Molotov, si je peux me permettre. Allez, je m'en fais 3. Normalement ça brûle hein. Les récoltes de grâce, protégez-les, ils veulent les cramer. Ok, aucun souci. Ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Ça c'est fait, j'attends bien que tout brûle. Qu'on me prenne pas pour un con. Normalement on est bon hein. Allez, 2 sur 3. Encore un. Bon là va falloir aussi trouver le... Forcément ici. Vous aviez raison les gars, vous avez totalement raison. Allez, ça dégage. Tu me racontes ta vie, moi je te connais pas. Allez, 3 sur 3. Ah mais ils viennent vraiment en tête empêcher Ok. Je vais prendre ce que je mérite. Ok. C'est quoi ce délire? Oh, vous êtes tellement nombreux! Bon, ici Finet, on vient d'arriver. Qu'est-ce qui se passe en bas? C'est la merde!
Oh, j'ai tout fait péter! Oh, c'est la merde ouf! Boomer est mort, hein, les gars, c'est terminé. Le frérot Boomer, défi complété. Ok. Ok, ok. Oh, d'où Jésus, non. Éliminé. Ouais, mais il s'en va, là, le monsieur. On fait quoi? On fait quoi dans cette situation? Y'a pas un hélico, y'a rien, là? Il va tellement loin. Attention, vous vous éloignez trop de l'objectif. Et comment je suis censé... On va essayer de se rapprocher à patte. Il va où, comme ça? Non, 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 je dois pas courir après un hélico, les gars. Ok, rejoignez la position de Finet. Maintenant, il a changé de position. Le mec, il change de position comme de chemise. Ok, c'est à 130 mètres. J'ai l'impression que c'est éternel. Et que c'est à l'autre bout du monde. On va réussir à le tuer, vous en faites pas. C'est la suite de notre quête. Je vais l'arracher. Hein. Ah, je vous le dis. Hein. Je vais clairement lui mettre ce qu'il mérite. Hein. Ok. Ok. Aucun souci. Il est où, frérot? Arrête, abuse pas. Tu me suis d'où? Ok. Il est où là? Il est où le frérot là? Éliminé. J'ai un petit moment de doute là. Il est dans un bunker. Ah. Ok, re. Tu crois pouvoir nous arrêter? Ouais? Et toi? Plus de Finet. Tu crois pouvoir m'échapper? On va se débarrasser de leur grâce. Et c'est pas rien. Je suis fier de vous, officier. Et je sais que mon fils le serait tout autant. On a été des génies. Les péchés du père. Ça, les amis, ça c'est fait et ça c'est beau. Regardez, 900 points de résistance. Je pense que si c'est pas le premier, le prochain épisode, pardon, ça sera... Quoi? Aïe! Mais c'est quoi ces changements de... Eh, on va finir l'épisode. Voilà, ça dégage, hein. Il a eu peur. Je mettais des patates incroyables, hein, il faut dire. Hein. Allez, n'oubliez pas que j'aime les commentaires. On se retrouve très bientôt pour la suite. Oh, désolé, c'est un réflexe, dès que j'en vois, je peux pas empêcher. De notre aventure sur Far Cry, à plus tout le monde !